Dans 48 heures à Cannes, ce sera le palmarès de ce 40e festival. Et ce soir, on va retrouver Bernard Rapp et l'on va évoquer le film Les ailes du désir de Wim Wenders, dans lequel Peter Falk, l'ex-Colombo, est un ange. Je savais que j'avais peu de temps. C'était un dur à cuire, ma femme me l'avait dit. Mais je saurais bien le faire parler. Il était là, quelque part derrière ces murs, chambre 745. C'était pas le moment de flancher. Oui. Bonjour, lieutenant. Je voudrais vous poser quelques questions. Allez-y. Où étiez-vous ces derniers jours? Bah écoutez, j'étais un peu à Paris, New York, Los Angeles, un peu à Cannes aussi. Oui, mais je vous préviens, je vous ai vu dans un film, vous faisiez un rôle d'ange et j'ai la preuve. Ah bon, quelle preuve? Ces images, regardez-les. Ok. I can't see you, but I know you're here. I feel it. You've been hanging around since I got here. I wish I could see your face. Just look into your eyes and tell you how good it is to be here. Just to touch something. See, that's cold. I feel good. Here. To smoke. Have coffee. Alors, ça vous a plu ce film parce que vous ne l'avez pas vu, puis il n'y avait pas de script? Non, je n'ai pas vu de script, je n'ai rien vu du tout. Mais quand Wim m'a appelé, j'étais vraiment emballé. Parce que jouer un ange, ça me faisait plaisir. Je n'ai jamais été un ange. Comment est-ce qu'on peut jouer un rôle d'ange? Jouer un ange? Soyez vous-même. Tout le monde est un ange. Vous vous sentez comme un ange? Quelque part, oui. Tout le monde est un ange. On est bien loin du personnage de Colombo. Non, pas du tout. Colombo aussi est un ange. Vous savez qu'en France, les femmes vous aiment beaucoup. Oui, je sais. Ben, je vous le confirme. Alors, on a trouvé une petite sur la plage. On aimerait bien vous la montrer maintenant. Ok. Sacrée poulette en vérité. Elle venait là tous les jours cachée derrière ses lunettes noires. Elle se disait Scarlett et n'hésitait pas à montrer que la nature l'avait plutôt gâtée. Et puis ces hommes, tous ces hommes qui tournaient autour. Tu veux manger petit gâteau, boire du champagne tout à l'heure? Non, merci, j'ai trop mangé. Ah, du champagne, je veux bien. Tout à l'heure. Mais elle était sérieuse. Elle voulait faire du cinéma un point c'est tout, comme tout le monde ici. Avoir sa photo au studio Harcourt, parmi les plus grands. Harcourt, 50 ans de clichés de stars. Et cette année, tout était possible. Il n'y avait qu'à demander. Alors on a demandé, pour elle, c'est de la part de Colombo qu'on a dit. Et voilà le travail, lieutenant. Elle est pas mal, hein? Ça serait pas une copine à vous? Ah, vous savez, j'ai pas de commentaire à faire sur la fille parce que moi je suis un ange. Il y a deux stars aujourd'hui, hein? C'était Platini, on en a parlé. Et puis...